Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Rappelez-vous, la dernière fois, on était retourné à Ravenstorp, on avait fait une quête, on avait essayé de réconforter Tove dans la mort de Sven, et on était parti sur une quête avec Randvi. Là on se retrouve au Grand Bridge, on a ramené le cheval parce qu'on est allé récupérer un cheval qui a été volé par les bandits, et là on va reprendre tranquillement, on va continuer. Donc c'est parti. Nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai? Formidable! Et avez-vous retrouvé ma jument? Oui, elle t'attend dehors. Les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, oh, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton ami Randvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Eivor, viens ici, regarde ça. Vraiment l'intention de t'enivrer? J'ai plutôt l'intention de t'enivrer toi. Allez, viens. Ou as-tu peur que je boive plus que toi? On va dire, oui, un peu. Et à quoi joues-tu encore? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Randvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors, reine de l'hydromel. Très bien. T'arrives un peu en nous. Formidable. Allez, un petit concours de scol. Donc je vais rien dire. Hein. Ah merde. Merde. Ah, c'est passé. Tu vois, n'aurais pas dû essayer de me battre. Personne ne boit plus que moi. Étrange. Je vois tes lèvres bouger, mais tout ce que j'entends, c'est merci, Randvi. Alors. Tant de toi, j'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Oh, Randvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien, dernier arrêt. Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis tout excitée. Oh, ça se voit. Alors déjà ? Eh bien, j'espère te revoir un jour. Reviens quand tu voudras. Cela se pourrait, Magnum. Et merci pour tout. Non, non, merci à toi. Bon retour. Allez, c'est parti. On va aller à ce tour et puis voilà. Donc bon. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te... Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit cette ville. Un lieu désolé mais paisible. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, j'aspire enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au repos. Donc on va y aller tranquille, au moins on fait... Ah.
Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches. Donc ça fait une petite pause. Enfin, non, putain, c'est pas vrai. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous? Quelle est donc cette question, voyons? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une intrépide Jarlskona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Une union plutôt flamboyante, ne trouves-tu pas? Je vais faire comme si tes dernières paroles se noyaient dans le vent. Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. Donc voilà, ça fait une petite pause avant de reprendre la quête principale, parce qu'après la quête principale, on va faire Oxenford. Et après Oxenford, on va directement commencer Asgard. Elle est aussi belle que dans les récits de Sonora. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscients de ce qu'allait devenir leur monument. Il y a beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va? Après toi. Sont vieilles et usées. Donc, moi, je... tu grimpes bien pour une moi, petite j'ai... carte. Moi, j'ai pas le temps. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maison longue et planté les clous des navires. Mes mains sont encore calleuses, d'ailleurs. Je sais plus si c'est là ou si c'est en haut. Je crois que c'est bien plus haut. Si je dis pas de conneries. Elle monte. Eh bien, regarde. Une vue éblouissante. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu es le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici... Après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées. Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Jomsviking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan, à piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui, tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve, et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'était quoi, ça? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et... mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Oliver. Tes sentiments me font honneur, Rindy. Mais je tiens à toi en tant qu'ami. Ne sois pas déçu. À mes yeux, c'est le plus grand des élèves. Bien sûr, je t'en remercie. Et excuse-moi. Il n'y a aucune honte à avoir. Ceci restera entre nous. Et au pire, nous aurons passé une très belle journée. Camille et en tant qu'âme sœur. Cela me suffit largement. J'aimerais rester ici, si cela ne te dérange pas. Moi aussi, oui.
a dû rentrer à la colonie. Bon ben voilà. Alors on va rentrer également. Voilà, on a fait quelques quêtes de Ravenstorp, histoire d'être tranquille à ce niveau-là. Du coup, on va mettre les points de compétence. Et puis on va retourner à Ravenstorp et je pense qu'on va démarrer enfin une bonne fois pour toutes la saga sur les quêtes d'Oxenforcher. Voilà. Alors, donc il faut retourner à Ravenstorp, mais je crois qu'on n'est pas loin de Ravenstorp, Voilà. Bon. Allez hop, on va rentrer à Ravenstorp. On va démarrer les quêtes d'Oxenforcher. Ou peut-être pas. Enfin, ça dépend combien de temps ça me prend. Ou peut-être que je vais faire autre chose. Je sais pas s'il y a d'autres quêtes à faire à Ravenstorp ou des conneries comme ça. Alors évite de rester bloqué par un orbe, s'il te plaît. Il n'y a que des falaises là, Banjo. Allez. Allez, on passe dans l'eau, mesdames et messieurs. On passe de travers, le tuve des piles. Donc voilà. Voilà, là on est bloqué pendant un moment dessus, donc même si je vais très très vite et que très honnêtement je pense qu'en arrivé à l'épisode 30 j'aurai fini les quêtes d'Oxenforcher, très honnêtement on va assez vite mais ça reste quand même un long jeu. Et puis je fais pas l'annexe avec vous, donc bon, au moins au bout d'un moment j'ai envie de dire, parce que j'ai fait beaucoup d'annexes. Regardez Rogue, c'est un jeu très très court et pourtant c'est le jeu, je crois que c'est le deuxième jeu le plus long de ma chaîne, vous vous rendez compte de ça, alors que c'est un jeu très très court hein. Et il est pas aussi court que Freedom Cry, mais il est court quand même. Je veux dire, je crois il y a 5 séquences, je crois, une connerie comme ça. Et malgré tout, il est quand même beaucoup plus long que. Enfin voilà. Donc bon, à un moment donné, je pense que l'annexe, on va arrêter de le faire et puis je le ferai dans mon coin. Le seul jeu réellement où je ferai de l'annexe, comme je l'ai toujours dit, c'est les Zelda. Parce que les Zelda, il n'y a pas moyen. Zelda, j'adore. Zelda, c'est maintenant. Allez hop! Je vais te parler. C'est possible? Ah, vous allez voir que je peux pas lui parler. Ah si, ça y est. Madame? 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 Voilà. Eivor. Ranvi, pourquoi es-tu parti? Nous aurions pu rentrer ensemble. C'est vrai, mais j'avais des fourmis dans les genoux. Marcher seul m'aide à réfléchir. C'est totalement faux. Eivor, j'ai passé un merveilleux moment. Merci de ta compagnie et de ton amitié. Et merci à toi. Bon, nous nous remettons au travail. Allez. J'aimerais voir la carte des alliances. Prochaine étape, l'Oxenforcher. Et l'Oxenforcher, Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre plus vite. Il est en lien avec un Fein rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxenforcher. Sigurd sera heureux de te voir. Voilà. Donc on va directement s'y rendre, parce qu'il n'y a pas d'autre quête à faire, donc... Donc voilà, voilà. C'est là-bas.
Attendez, je vais regarder sur la carte vite fait. C'est. Effectivement, ça va. C'est qui lui? Ah, c'est Orsa. J'ai le niveau pour buter Orsa. Ce serait vraiment pas mal en fait. Il est où? Non, j'ai pas le niveau encore, malheureusement. C'est ça? Ouais, je suis à 127. J'ai presque le niveau, mais c'est pas encore ça. D'ailleurs, aucune rune disponible. Là, il y a des runes, mais elles sont emboîtées, quasiment toutes. Ouais, elles sont toutes emboîtées, donc bon. Ok, bon, ben, alors on va s'y rendre tranquillement. On va sortir de là, on va passer l'eau, et puis... Et puis voilà. On va se diriger vers... Ouais, moi aussi, c'est un honneur de te voir, même si je sais pas qui c'est. Allez hop, plus vite. On est à 16 minutes, juste le temps de s'y rendre, en fait. Et je pense qu'on est bon. Et après l'Oxenforcher, on fera Asgard. Hein. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Je vais garder des ressources et je vais les utiliser pour faire la cabane de Valka. Donc après, on partira sur Asgard. Allez, cheval. Voilà. Voilà, voilà. Bon, comme je disais, on avance quand même assez vite. Le jeu restera assez long, même si je pense que, comme je vous ai dit, je ferai plus l'annexe. Comme je vous l'ai dit aussi, Rogue a été très très long à faire, alors qu'en réalité, c'est censé être un des jeux les plus courts. Donc, je pense que l'annexe, on va laisser tomber, on va mettre ça de côté. On va plus se concentrer sur les histoires principales à chaque fois que je vais faire un jeu. Par exemple, l'exemple de Mario ne passe pas parce que Mario, en réalité, ce qui se passe, c'est que je me rappelle à peu près de où sont placées les lunes. Donc, en réalité, voilà, si c'est sur mon chemin, je vais récupérer. Ou au pire, on fera après. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris le délire. Les jeux Nintendo, faire de l'annexe, c'est pas compliqué parce qu'une fois qu'on a fait le jeu une fois, on s'en rappelle de quasiment tout. Donc, bon. À ce niveau-là, je pense pas que ça soit très problématique. Par contre, dans les jeux PlayStation, faire de l'annexe, voilà. Les jeux comme Assassin's Creed qui sont énormes, ou les Horizon Zero Dawn, ou les trucs comme ça. Je pense qu'on laissera tomber, on se concentrera bien plus sur l'histoire que sur le reste. Moi, ça me paraît plus logique. Comme ça, je peux changer de jeu assez rapidement, je peux vous proposer plus de contenu plutôt que de rester 150 ans sur un jeu. Comme par exemple l'histoire de Odyssey. Odyssey, j'ai fait que l'histoire principale dessus. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, mais le problème c'est que j'ai eu deux coupures d'un an, dont une qui a été forcée et l'autre qui n'a pas été forcée, c'est moi qui l'ai fait parce que je n'avais un peu marre du jeu, parce que ça faisait très longtemps que j'étais dessus et que ça m'a un peu gonflé quoi. Mais si on doit prendre l'exemple de jeux où j'ai fait beaucoup d'annexes, il y a Horizon Zero Dawn et il y a Rogue, voilà Rogue. Et c'est les jeux comme Assassin's Creed, je pense que c'est pas la peine que je vous fasse l'annexe. L'annexe, je peux le faire dans mon coin. Après, les jeux comme Horizon Zero Dawn, c'est mitigé parce que voilà, je peux savoir que je sais très bien qu'il y en a qui peuvent rester bloqués sur certaines quêtes ou des trucs comme ça. Donc bon, faire les quêtes annexes, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, faire de l'annexe sur un Assassin's Creed alors que c'est tout le temps répétitif et tout le temps la même chose, je vois pas l'intérêt. Tu passes pas ici. Où est-ce que tu passes, mon cher? Tu passes par là. Bon, on n'est pas très loin, mais il nous reste 10 minutes. Si on a le temps, peut-être qu'on reprendra. Il est en bas lui, non? J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ah, il est là-bas. On va se mettre un marqueur. Hop, voilà. Ces soldats sont bien tendus. Alors. Là, il n'y a personne. Tant mieux. Buckingham. Donc, j'ai la tenue de Basim. Basim va avoir sa tenue aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. C'est pas très grave. Moi j'ai mis ça parce que je la trouve stylée en attendant d'avoir la vraie tenue qui m'intéresse. C'est où? Ah, c'est là-bas.
Étant donné que les zones de méfiance, c'est pas des vraies zones de méfiance. Evan est flou ? Que QA hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Moi, pas comprendre. Est-ce que je vais avoir le temps d'assassiner les deux ? Je crois pas. Bim ! Et il s'est fait soulever. Bah, au moins je peux avancer. C'est déjà ça. Voilà. Ok. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne ? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Feingedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Rien du tout. Je pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Mais personne va te cogner. Tu as l'air de respecter ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce côté. Peut-être que cela te plairait que Loxen Forcher soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poisson. Ah ben voilà, c'était compliqué, madame. Allez hop. Comment c'était ? Oh, on va s'enlever le premier marqueur quand même. Voilà. Ils n'ont pas pu aller loin. Je te suis. Putain, les gardes, vous êtes relous. Si vous me retrouvez, vous m'appelez. Hein. On va attendre que le garde se calme quand même. Quoique. Ouais, il y a un deuxième là-bas. Tu t'es caché dans les buissons. Eh oui, je me suis caché dans les buissons. Mais si. Allez hop. Ah, pitié quoi. Tâchons de rester à la fin. C'est bon, oui ou non ?
Persiste, les gars, des persiste. Vous me faites perdre du temps, messieurs. Vous connaissez le gardien des cieux ou pas? Redouille. Eh ben. C'est compliqué d'avoir la paix, compliqué. Bon, mon cher monsieur. Voilà. Tu m'as un petit peu gonflé. Mais légèrement, tu vois. Du coup, ah ben, on est obligé de s'arrêter ici parce qu'il m'a fait perdre pas mal de temps. Donc bon, c'est pas grave. On s'arrête ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je ne me répéterai pas. D'ici la prochaine fois, c'était Warlocks. Salut.